Salut à tous, c'est Noanio, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Seven Doors, donc qui est un jeu d'énigmes qui est fait par Indigo quelque chose, Indigo Games je crois, et qui est un jeu indé donc qui a l'air pas mal du tout. Donc voilà, on va le lancer tout de suite. C'est parti. Alors, nous sommes donc dans une pièce visiblement. Hi, welcome to Seven Doors. Bonjour. Behind this door. Seven challenges are waiting for you that we have prepared specifically to test your skills. Mm-hmm. We're waiting for you behind the last door. If you arrive, now, bien sûr que je vais arriver. If you are ready, you may begin. The door is open. Good luck. D'accord. Bon, alors, la bibliothèque vide. Ah, ça c'est original. Là, dans les jeux vidéo, un pistolet. Intéressant. Ah je suis con. Non, j'essaye des touches et puis visiblement. Alors, non. D'accord. Clic droit pour tirer, c'est original. On va dire. Alors, là, il y a un emplacement avec des crânes. Ah! Il disait qu'elle était vide, mais non, il y a un livre ici. Le seul livre de cette bibliothèque, il est très vieux et un titre assez inquiétant. Tuer l'homme mort. L'homme mort, bah ça doit être un squelette. Ou un crâne. Genre, là, je tire? Non, c'est pas ça, visiblement. Je suppose que j'ai des munitions limitées pour éviter que je fasse n'importe quoi. Alors avec espace, je peux sauter, je peux courir. Est-ce que je peux... Non, je peux pas casser des lampes. Ah, elle est allumée, elle est éteinte. Je sais pas si c'est... Mais c'est pas clic gauche, cette fois-ci, je ne comprends plus rien. Je peux m'incliner comme ça. Okay. Alors attendez, je regarde juste les commandes. Tirer, courir, mouvement de la souris, sauter, lire, prendre, clic droit. D'accord, ok. Donc j'avais raison, clic droit c'est... Merde. Bon d'accord, clic gauche et clic droit ça me fait tirer. Faut que je tue l'homme mort. Est-ce que je dois pas faire genre... Pan, 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 pan. C'est des crânes. Non. Bon d'accord. J'appuie sur E pour interagir par instinct, mais visiblement ce n'est pas ça. Tuer l'homme mort. Attendez, on va retourner voir le mur. Enfin le mur, le livre. Bonjour. Kill the dead man. Ouais. Y a rien sur la tranche. Ça a l'air de rien avoir de spécial hein, sur ce livre, mis à part un titre étrange. Faut peut-être que je trouve quelque chose. Enfin, oui, il faut... Ah! D'accord. Bon, et là, je suppose que c'est la clé à mettre ici. Ok! Jusqu'ici, c'était assez simple. Il est beau bizarre. Ok, donc là, j'ai réussi la première étape, je suppose. Ou c'est le bordel. L'énigme du chaos. Ah! Une loupe. Une sorte de coffre. Je peux pas le tourner? Non? Non, j'ai pas l'impression. Alors, voyons voir. Il y a des petits trucs à lire. Je pousse lentement. J'ai besoin d'air pour vivre. Mais je n'ai pas de poumons. Et même si je n'ai pas de bouche. L'eau me rend vivant. Ça doit être un genre d'arbre ou une graine, ça. Un genre d'herbe ou une graine. D'herbe, enfin de l'herbe, un arbre. Ça doit être ce truc-là. Ah. J'espère que je vais pas, ça va pas tomber. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Ok, ensuite. Quand je suis jeune, je suis grand. Quand je suis vieux, je suis petit. Quand je suis vivant, je brille. Mon ennemi est le vent.
Un ennemi est le vent. Alors là, par contre, j'ai pas, je sais pas vraiment ce que ça pourrait être. Que ça pourrait être. La personne qui me fait ne veut pas de moi. La personne qui m'achète ne m'utilise pas. La personne qui m'utilise ne me connaît pas. Enfin, ne le sait pas. Oh là là, ça a l'air compliqué. Quand vous l'achetez, c'est noir. Quand vous l'utilisez, c'est rouge. Quand vous le jetez, c'est gris. On va essayer de commencer par celle-ci. Quand vous m'achetez, c'est noir. Quand vous l'utilisez, c'est rouge. Quand vous le jetez, c'est gris. C'est pas un couteau. Parce qu'un couteau, vous l'achetez, il est dans un fourreau, donc le fourreau peut être noir. Enfin, c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas du tout. Ah, attendez. Est-ce que je vais essayer un truc. Si je fais ça. Ça n'a pas l'air de vouloir. Ah, ça c'est bien, parce qu'on peut, on peut essayer un par un, et si ça ne marche pas, on peut balancer l'objet quelque part et ne plus jamais le réessayer. Bon, c'est un peu de la triche, mais... Oh, attendez. Non. J'allais dire du papier pour l'énigme qu'on est en train d'essayer de résoudre, mais je ne pense pas. Ah, un couteau. Un couteau. Hop. Ça me paraît très logique. Vous l'utilisez, c'est rouge, parce que, bon, bah, quand on tue quelqu'un, quoi, mais... Non, c'est pas ça. Ouais, enfin, remarque, when you buy it, it's black. Enfin, quand vous l'achetez, c'est noir, ça m'aurait paru un peu bizarre. J'essaye quand même de le mettre dans chacun des bols pour être sûr de pas... jeter un truc qui est en fait utile. Ça, c'est un jeu qui plairait à mon père. Donc là, je suppose que c'est la boîte où on aura le crâne. Quand vous m'achetez, je suis noir. C'est pas une bouteille d'eau. Bon, j'espère que c'était pas ça parce que ça a clippé à travers de la boîte. Ça, je pense pas. Du PQ, non. Non, vraisemblablement pas, je pense pas non plus. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? Nitrogène? Un composé chimique? Je me rappelle plus des énigmes. Enfin, je me rappelle de la première. Enfin, de celle-ci. Et là? Ah oui, ça c'est une question d'utilisation. Et elle? Je suis grand. Puis un truc qui est grand, qui rapetisse, et quand il est vivant... il brille. Et son ennemi, c'est le vent. Une bougie. Une bougie. C'est logique. C'est lui. Yes. Ok. On a trouvé la bougie. Ensuite, on va essayer de trouver le truc des couleurs. Du pain? Non, pas du pain. Ça n'aurait aucun sens. Moi qui ai quelque chose, un sens que je ne connaisse pas. Du... Ah, du thé peut-être. Vu que quand on infuse, ça change de couleur. Mince, j'allais pas le mettre dans le bol. C'est pas lui. Du thé. Non, c'est pas du thé. Bon. Un chapeau. Ah, un chapeau pour cette énigme-ci. Non. Non, non, non. Ah. C'est compliqué, hein. Attendez. Je viens de me rappeler de quelque chose, mais je suis pas sûr de ce que je pense. Non, c'est pas ça. C'était cette énigme-là. Quand vous m'achetez, je suis noir. Ensuite, c'est rouge. Ensuite, c'est gris. Noir, rouge, gris. Donc c'est l'objet qu'on cherche doit être... Oh, une bûche. Quand on l'achète, bon, c'est pas tout à fait noir, mais c'est plus ou moins noir. Quand on la brûle, c'est rouge. Et ensuite, c'est gris parce que bah ça finit d'être consumé. Non? Non, bon, moi ça a pas l'air d'être ça. Mais je pense que c'est un truc dans ce genre là. Noir, rouge, gris. C'est quoi ça? Ah, du charbon! Peut-être du charbon? Oui, du charbon. Nice.
Ok. Ensuite, donc, la personne qui me fait ne veut pas de moi, la personne qui m'achète ne m'utilise pas, et la personne qui m'utilise ne le sait pas. Ah! Un cercueil. Logique. Il y a la bouteille qui est toujours dedans. Heureusement que c'était pas un des objets à obtenir. Et là, hop, deux énigmes de résolu. Facile ce jeu. Non, il est sympa. Il doit être plutôt court vu qu'il s'appelle Seven Doors et qu'on en a déjà résolu deux. Qu'est-ce qui se passe? Oula, ça a changé d'ambiance d'un coup. Il est usé, mais il fonctionne. Je vais le prendre. Ça, c'est quoi? Ce sera très utile. Je peux prendre la bougie? Ah non, hein! Non, je voulais pas l'éteindre. D'accord. Ah! C'est un peu creepy. Le musée des hommes sans âme. Troisième porte. Bonjour. D'accord. Je m'y attendais pas. C'est le même Yudai que dans Dark Souls, non? Attendez, mais c'est quoi ce délire? C'est hyper flippant. Fasse quoi? Ouais. Mais je comprends pas ce qui m'a tué en fait. Faut pas que je touche les... Faut pas que je croise leur regard, je pense. Je pense que c'est ça. Donc ça doit être une sorte de labyrinthe où je ne dois surtout pas passer dans le regard de ces saloperies. Mais c'est hyper horrible. Oh mon Dieu! Là, il me regarde ou pas? C'est considéré comme s'il me regardait ou pas? Non. Okay. Mais lui, il regarde. Je vais mourir, je me sens mal. Non. Ok. Par là? Par là, il n'a pas l'air de me regarder. Lui, en revanche, il regarde. Par ici. Putain, ses yeux! C'est horrible! Lui, il regarde clairement en face de lui. Hop, par là. Je peux pas passer par là, donc. Probablement par ici. Faut que j'attrape ça aussi. Lui, il regarde en l'air. Lui, je pense pas qu'il me regarde non plus. Ok. Oh putain! C'est flippant comme ça! Faut pas me refaire ce coup-là! Hein. Heureusement que je suis pas cardiaque! Oh! J'espère qu'il y aura plus de trucs comme ça! J'aime pas trop les jeux d'horreur, moi. Je suis pas très. C'est pas trop mon genre. Ouh. Ok. La galerie des rêves encadrés. Alors là, il y a. Un coffre avec un digicode. Ok, très bien. Alors, elle doit faire référence à quelque chose. Le sourire. Hein? Numéro 1. The Smile Hunters. Le chasseur de sourire. Le croyant des illusions. Le petit guerrier. Et le maître du futur. C'est un asset de Skyrim, ça, non? Ça ressemble beaucoup à un asset de Skyrim. Alors, attendez, faut que je... Ah, il y a un truc ici, ça fait pas partie des chiffres. Cet homme semble être ici depuis longtemps. On dirait qu'il y a de l'écriture au dos du papier. Ben, je ne la vois pas, l'écriture au dos du papier. Bon, j'ai été enfermé ici pour 3 jours. Je les ai comptés encore, encore et encore, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. 1. Sont-ils? Ensuite, c'est effacé. 2. Sont-ils? Ils sont seulement ça, j'en suis sûr. Ah, 3. Des avions. Non, ça ne marche pas. 4.
machin homme, femme quoi, ce n'est pas si facile. Ça y est, j'ai découvert le sens de chaque carte. Maintenant, je dois faire regarder avec attention toutes les images pour trouver combien il y en a. Dans certaines images, il y en a plus d'une. Oh. D'accord. Noir fort. Hein. Black over white, like the letter in a book. Hein. Je regarde. Hein. Les marcheurs silencieux. Les observateurs dans le noir. Les chasseurs de mouvement. Ceux avec une moustache élégante. Les mineurs de nuages. Les voyageurs du vent. Les explorateurs de l'horizon. Custodian, c'est ceux qui sont en prison, je crois. Trésor ovale. D'accord, et là, les femmes qui collectent les émotions, les femmes collectrices de philosophie, les femmes qui préfèrent le noir sur le blanc, et les femmes qui s'immergent dans l'imagination. Et ensuite, la petite phrase en bas, il y a marqué « noir sur blanc, comme les lettres dans un livre ». Alors je suppose que ça a un rapport avec tous ces tableaux. Là, il n'y a que des femmes, j'ai l'impression. Oh, Art 16 RU. D'accord. Je sais pas si ça fait... Enfin, c'est intentionnel ou pas, mais... Bon, déjà, on va essayer de commencer à trouver ça. Chasseur de sourires, croyant les illusions, petit guerrier, maître du futur. D'accord. D'accord. Ah, c'est des tableaux connus, ça je connais. Alors ici. Oh là 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 là. Lui, il a une belle moustache. C'est peut-être, il fait peut-être partie de l'énigme où il parle de moustache là. C'est compliqué. Et il y a un code à trouver. J'ai regardé ce papier là. Cette table sont assises depuis longtemps. Mais... C'est vrai qu'il y a de l'écriture au dos du papier. Bah non. Est-ce que c'est un indice pour dire que ici il y en a peut-être? Non. Non plus. Ah! Il n'y a pas que les hommes qui ont des moustaches. Bien que avoir des moustaches requiert d'avoir des poils. D'accord. Donc un truc qui a des moustaches mais qui n'est pas un homme. Un chat par exemple. On va essayer de trouver un chat ou un félin quelconque. Un truc qui a des moustaches. Lui, il a une belle moustache. Oh putain, ça m'a fait peur ce truc. J'ai détourné le regard, ça m'a surpris. Je ne trouve pas de chat. C'est peut-être pas des chats, hein, tout simplement. Peut-être pas des chats. En tout cas, la musique est très bien. Bon. On va retourner à la première. À la première, j'ai dit. Chasseur de souris. Elles doivent faire référence à quelque chose. Smile Hunter, Believer of Illusion, Little Warrior, Master of the Future. Attendez, 1, 2, 3, 4. Oui, il y a 4 murs avec des tableaux. Est-ce que c'est en rapport? Je ne sais pas. Tenez, on va essayer de taper un code ici, au hasard. Ok. On peut taper 4 chiffres. Donc au pire, on n'a que 10 000 possibilités.
Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, dans notre situation, il y en a plus de 9 sur chaque mur. Ça va être compliqué. Faudrait que je trouve en fait là, déjà le premier tableau. Si je trouve le premier tableau, je pense que je suis capable de. Ah, je peux faire lire! Les arracheurs de sourires, les croyants de l'incroyable. Ouais. Les petits guerriers, les maîtres du futur. Petits guerriers, maîtres du futur, arracheurs de sourires. Qu'est-ce qui arracherait un sourire? Quelque chose de triste ou quelque chose de joyeux? Ça dépend dans quel sens on le veut. Arracher dans le sens enlever ou arracher dans le sens faire sortir. Mais là, c'était les chasseurs de sourire. Non, et ça marche. Ça marche dans les deux sens en fait. Ça a bien été traduit pour le coup. Ah, maître du futur, c'est pas ça? Ars Invita écrit quelque chose. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Attendez, maître du futur. Maître, c'est quelle carte qui avait ça? Hein? Non. Non plus. Master of the Future, c'était ça. Donc attendez. Chasseur de sourires, croyant des illusions, petit guerrier. Donc est-ce que sur ce mur, on a un petit guerrier ou un truc avec un rapport avec sourire, etc. Je sèche un peu. Bon, bah de toute façon, c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez voir la réponse à cette énigme, il faudra regarder l'épisode 2. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé donc cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et donc, dans l'épisode suivant, on essaiera de comprendre tout ce fourbi. Allez, très bonne journée et salut!